خوتي خوتي السلام عليكم. مازور في لون ميضه ميسو بونجور، شو تكونوا كاع بخير؟ جو ميرسي توس وكا وغاد فيديو نشكر لدينا شاهدنا الفيديو تاعي دون سي دي جو دون لي ريزولتا دي 8 دي فينال لا ليغ دي شامبيون لي ماتش سون ديرولي ما ماردي ماركودي. فوسي لي ريزولتا: بنفيكا دو بورتوغال ا باتو سفيرن سكور ليكيب دو كلوب بريج دو بلجيك 5-1. تشيلسي دو لونجلتير ا باتو ليكيب دو بورسيا دورتموند المان دو بيتا 0. Hier, mercredi, Tottenham Angleterre a fait match nul contre le Milan AC Italie 0 partout. C'est l'équipe de Milan AC qui s'est qualifiée. Plus le match aller s'est terminé en faveur de Milan AC 1-0. Bayern Munich Allemagne a battu l'équipe de Paris Saint-Germain 2-0. Pour les matchs de pour la semaine prochaine, il y aura 4 matchs. Manchester City Angleterre va affronter l'équipe de RB Leipzig allemande. Ce sera à 21h. Vous pouvez voir le match sur Canal Plus, Foot Plus et RMC Sport 1. Le deuxième match, ce sera le FC Porto Portugal. Elle va jouer contre l'Inter de Milan Italie. Le match elle va se jouer à 21h. Vous pouvez voir le match sur Bein Sport 1. Mercredi 15 mars, Real Madrid elle va affronter l'équipe de Liverpool Angleterre. Vous pouvez, ce sera à 21h, vous pouvez voir le match sur Canal Plus et RMC Sport 1. Le deuxième match, ce sera Naples-Italie, elle va jouer contre l'équipe de Francfort allemande. À 21h, vous pouvez voir le match sur Bein Sport 1. On espère qu'on va avoir de bons matchs. Et pour les équipes qualifiées, les quarts finales, et ils vont se jouer le 11 et le 12 l'aller et le 18-19 avril. Le tirage sort pour les quarts de finale, ce sera le 17 mars. Pour le classement des buteurs, on trouve en première place le joueur Salah de Liverpool avec 8 buts. Deuxième position, le joueur Mbappé, Kylian Mbappé du PSG avec 7 buts. Troisième position, le joueur João Mário plus 1 de Benfica et Vinicius de Real Madrid avec 6 buts. Je vous dis que cette vidéo elle est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Un go comme salam alaikum. Au revoir.